troisième position, une saisie avait été opérée par la section de recherche de la gendarmerie nationale basée à Matam. A fait également l'objet de garde à partir du tribunal de première instance de Mafango. Et en toute dernière position, en ce qui concerne surtout la drogue dure, 20 kilos de cocaïne ont été saisis par mon service d'alors à Coulemani. L'ordonnance de saisie avait été décernée par le parquet de première instance de Mafango. En raison donc de la procédure dont vous imposez, aucune mesure d'incinération n'avait été prise, sachant que ces produits prohibés n'ont pas fait l'objet de jugement définitif. C'est pourquoi jusqu'à présent, nous avons la charge de les garder. Alors que je change de position administrative, je me verrai un peu indélicat de rester à l'anonymat sans passer ces quantités de millions qui font l'objet de poursuites à mon successeur. De cela, devant les autorités juridiques qui m'avaient mandaté de l'interdire. En premier temps, monsieur le procureur de tous les pays de la ville de Conakry, sous votre permission, nous allons procéder au placement des prisonniers. En vous précisant, les 145 kilos qui ont fait l'objet de ces deux commissions rogatoires se trouvent dans le conteneur. Et j'ai fait réquisition de l'ouvrier, d'un ouvrier pour déceler sur votre autorisation. En ces termes, je faisais le préalable de cette passation de mise en main. Tout d'abord, mon remerciement devant à l'endroit de M. le procureur général de la République et ses cadres qui sont venus le représenter ce matin dans l'enceinte du local pour cette procédure de réminence. Nous les remercions. Parce que ce sont eux qui ont eu le courage de nous confier cette carte. Cette confiance est un acte à saluer. Donc, aujourd'hui, on remet à César ce qui appartient à César. C'est le procureur qui nous a confié cette quantité de drogue. Aujourd'hui, nous présentons cette quantité à ces cadres,
afin de nous autoriser à la remise à disposition de la nouvelle équipe montante de l'OCAT. Monsieur le représentant du procureur, je sais que vous allez avoir un procès verbal à la suite de ce travail, mais il est de notre devoir de vous donner certains détails sur les différentes saisies faisant objet de cette remise. Cette quantité est subdivisée en 4 lots. Nous allons d'abord vous présenter le premier lot. Il s'agit de 177 kg de cocaïne saisie en Angola le 5 janvier 2021. Monsieur le procureur, ce qui rend complexe cette procédure est que selon les présumés propriétaires, ils déclarent qu'il y avait 21 sacs sortis lors de la saisie dans la villa. Et chaque sac contenait 27 grammes. Mathématiquement, quand vous multipliez 21 par 25, ce qui fait 527 grammes. J'ai été saisi dans la villa. Sur les 525 kilos sortis des 21 sacs, la police judiciaire nous a remis que 9 sacs. 9 sacs qui contenaient 177 kilos de cocaïne. Donc, avec une portée disparue de 348 kilos et 12 sacs. 12 sacs n'ont pas été trouvés qui contenaient 348 kilos. C'est la portée disparue dans cette affaire durant ce dossier complexe. Voici la triste réalité de ce dossier. Nous sommes dans les problèmes, monsieur le procureur. Les 177 kilos de cocaïne, après examen de la commission rogatoire, nous avons décelé 32 fausses plaquettes dans ces 177 kilos. Ces 32 kilos, il n'y avait que de la poudre de farine enfouie dans les cartons de sucre d'Égile, de sucre Saint-Louis, qu'ils ont emballé pour insérer dans ces sacs. C'était de la poudre de farine. Donc, monsieur le procureur, nous avons procédé aussi, nous sommes allés plus loin, nous avons procédé à la technique du lever de relief. Cette technique permet à l'officier de stupe sur le terrain de tracer la drogue depuis sa fabrication au laboratoire. Ce qui nous a permis de découvrir sur chaque plaquette qu'il y avait des logos, le logo de la tour Eiffel, avec inscription Paris sur chaque plaquette. Chaque vraie plaquette de drogue, il s'était pointé avec la figure de la tour Eiffel et inscription Paris. Les autres 32 postes n'ont pas pu les contrôler. Ce qui rend encore, ce qui rend complexe le solution. Et nous avons trouvé que, comment dirais-je là, le deuxième lot maintenant. Deuxième lot, il s'agit de 340 plaquettes de hachis. Cette quantité a été saisie à partir du port du Bourguignon par transbordement en haute mer, dont certains officiers sont impliqués pour le dossier. Nous sommes allés encore plus loin en appliquant la technique de lever de relief. Nous avons vu que ces plaquettes de hachis avaient les logos de l'aigle noir. Sur chaque plaquette, il y avait les logos de l'aigle noir sur chaque plaquette. Donc voici les caractéristiques du deuxième lot. Troisième lot, il s'agit de 20 kg de cocaïne, saisie le 17 novembre 2021 à Kouré-Mali, à la frontière de Sigri, sur un ressortissant malien du nom de Aboubakar Keïta. Là également, nous avons pratiqué la technique de relevé de relief, qui nous a fait apparaître le logo de l'inscription série A Team 2020-2021. Ces inscriptions sont pointées sur chaque plaquette de drogue que vous allez voir quand nous allons vous explorer. Comme marque, ces marques-là sont des marques des cartels. Chaque cartel a ses marques, ce qui est marqué sur cette. Enfin, maintenant, il y a le quatrième lot. Il s'agit de la cocaïne cristallisée
saisis par la brigade de recherche de la gendarmerie du matin. Après examen et test, nous avons trouvé qu'elle est vendue sur le marché sous l'étiquette de cocaïne. Mais en réalité, ce n'est pas de la cocaïne, c'est les dérivés des opiacés, c'est l'éphédrine traitée sous une autre forme qu'ils vendent aux clients comme cocaïne, pour faire mal. Ça, c'est vrai. Donc voilà, en résumé, les caractéristiques des différentes saisies en notre possession que nous allons vous présenter tout de suite. Je vous remercie. Merci. Bon, vous dégagez là-bas. Nous permettre aux autorités de visualiser la quantité. Qui est pour ma vie? Thank you.
Ceux qui fument là, faites beaucoup de questions. Si vous n'êtes pas allé, c'est pas la peine. Allez-y un peu, dehors maintenant. Hein? Ils voient bien. Ça va, mais allez-y, allez-y. C'est bon, mais allez-y un peu là-bas. Là. Hein? Pour qu'ils voient. Allez-y. Va de l'autre côté. Va là-bas. C'est un ordre qu'on vous donne là. Tenez le couteau là. Tenez le couteau. Le couteau. Tenez le couteau. Quittez là. Donc, vous voyez, ça c'est le logo d'aigle. Vous voyez là-dessus. C'est la résine. Oui, ça c'est le cannabis. Voilà, ça c'est la c'est le cannabis qui est. Ça c'est le logo du 4 voilà, c'est ça. Ça, c'est l'appareil de relief. Physiquement, la plaquette de drogue, nous ne pouvons qu'apprécier ce qui est superficiel. Mais quand on décape, il y a de la poudre. C'est avec cet appareil qu'on visualise et on constate. Si le timbre superficiel est conforme au timbre qui est sur la poudre de la drogue compacte, c'est que ça appartient à un réseau que nous appelons cartel. Parce qu'il y a des contrefaçons. Donc, suite à une mission de l'Interpol, par voie de concours, nous avons été rencontrer le doyen de juge pour qu'il nous assiste. C'est par rapport à ça qu'il y a eu une ordonnance d'ouverture du conteneur. Et on a procédé au test. Il s'est avéré juste que la drogue saisie appartient à un cartel. Et c'est suite à cette analyse également que les fausses plaquettes ont été identifiées. Au lieu que ce soit de la drogue, c'est de la poudre de farine pour les unes et pour les autres, c'est de la poudre de manioc. Ça, c'est suite au concours de la mission de l'Interpol. Nous, le test simple, on a constaté simplement que c'est des fausses plaquettes. Mais il fallait approfondir. C'est ce qu'on appelle l'appareil de test. Ok, directeur, s'il vous plaît, motion. Juste, c'est un échantillonnage qu'on fait dans le bureau là. Donc, nous, on a regardé un rapport. On dit que c'est un échantillon qui a été testé, planté par rapport à l'autre, parce qu'on n'a pas vu les autres. Est-ce qu'il faut tout déballer, voir, ou bien qu'est-ce qu'il faut? Non, si, voilà, si non, vous faut, avez. Voilà, il faut la question, monsieur le procureur, quoi.